La Floride, une nouvelle fois confrontée à une fusillade mortelle, elle a eu lieu ce dimanche à Jacksonville aux États-Unis lors d'un tournoi de jeux vidéo. Deux personnes ont été tuées et 11 autres blessées. L'homme qui a ouvert le feu s'est ensuite suicidé. Le tournoi se tenait dans le bar de ce complexe de restaurants et lieux de divertissement situé au bord de la rivière St. John's. Dans cet extrait de la retransmission, suivi en direct sur Internet, on peut entendre les tirs qui ont surpris les joueurs. L'auteur serait l'un des perdants de la compétition. Nous pensons que le suspect est David Katz, 24 ans, de Baltimore. Le FBI nous aide dans cette étape de l'enquête à Baltimore. Sur Twitter, la police avait appelé les personnes qui avaient pu se cacher pendant la fusillade à le rester le temps que les unités de police sécurisent la zone. Ces dernières années, la Floride a été marquée par plusieurs fusillades, dont celle de juin 2016, au cours de laquelle un homme tuait 49 personnes dans un club gay d'Orlando.